7 heures sonnent à l'église de Saint-Lumine. Il est donc temps de quitter la campagne luminoise à destination du bassin d'Arcachon, site paradisiaque entre terre et mer. 19 moussaillons, encadrés par 17 marins, sous la surveillance de 3 commandants de bord, prennent le large à bord du navire à l'air au vent. Chants, rires, discussions animées, jeux rythment la traversée qui durera 3 heures jusqu'à la première escale, la Corderie Royale à Rochefort. Les moussaillons marchent sur les pas de leurs ancêtres en visitant le bâtiment le plus long d'Europe. Les marins y réalisaient les cordages nécessaires à la navigation. Un petit mousse s'y est même attelé. Quel courage ! Pas question de partir sans un minimum de connaissances. Ultime escale. Le navire accoste enfin au centre Bonneval. Les cabines en bois semblent spacieuses et le temps dégagé. Aucune tempête en vue. Nos valeureux moussaillons déposent sacs et paquetages afin de prendre un repos bien mérité. Le soulagement et la joie d'être arrivé à destination nous entraînent vers la visite du port de la Thèse de Boche. Nous faisons la connaissance d'un vieux loup de mer qui nous fait partager les trésors cachés de ce village de pêcheurs authentiques. Ainsi, l'équipage comprend mieux ce qu'est l'ostréiculture, source économique majeure du port. Que la croisière s'amuse. Première prise. Départ immédiat vers le monde des contes et légendes. Savez-vous pourquoi l'eau de la mer est salée? Ne cherchez pas trop. Seuls les matelots connaissent la réponse. Huit heures et demie. Tout le monde sur le pont pour le premier petit déjeuner à bord. Un plein d'énergie s'impose avant de repartir vers de nouvelles aventures. Une petite cabane, nichée près du port de Gujan-Mestras, interpelle les marins. Courageusement, ils se risquent à rentrer. Deux hôtesses leur proposent de découvrir la vie des huîtres. L'équipage sait maintenant ce qu'est une pinasse, que l'huître est hermaphrodite, qu'elle peut être détruite par des congres, des raies ou des bigorneaux perceurs. Nos marins sont à présent beaucoup plus érudits.
disons à me regarder comme ça. Comment vivre 4 jours sans foot? Mission impossible pour nos matelots. Alors que le meilleur gagne. Nos marins apprennent la fabrication du papier de leur cahier d'écriture en visitant l'usine de Smurfit, celluleuse du pain. Les machines tournent pour transformer le pain des Landes en papier, autre source économique de la région. Que d'efforts pour gravir la plus haute dune de sable d'Europe. Mais rien n'est impossible pour nos vaillants marins. Arrivés au sommet, quel soulagement, quelle vue! Après un moment de jeu et de rigolade, place à l'expression artistique. Que la croisière s'amuse. Deuxième prise. Imagination et improvisation sont les mots d'ordre de la soirée. Toujours autant de rire et de bonne humeur. Il était des petits mousses pour qui le réveil était difficile. Ouh là là! Les marins se reconvertissent en artistes peintres le temps d'un bricolage. Quelle polyvalence! Mais ils souhaitent surtout ramener à terre un souvenir artisanal. Coucou! Moment de détente et de défoulement pour l'équipage avant de reprendre le large. Oui, dans le bassin d'Arcachon, à la thèse de Bush, le mercredi 28 avril à 15h30. Très motivé par ce sport local, en compagnie de... Allez, Simon, on fait un tour, là. Bien. Allez, vas-y, Manon, allez. Allez, hop, là, il est passé. Que la croisière s'amuse.
Dernière prise. Encore plus de rire, plus de bonne humeur, pour célébrer comme il se doit la dernière soirée à bord. L'heure a sonné pour le navire aller au vent, d'hisser les voiles et de lever l'ancre. Il était temps.